Bonjour, je vous présente la correction du devoir numéro 8 qui s'intitulait « Les conversions de l'énergie ». Alors, la question numéro 1. Construire un tableau dans lequel vous donnerez les formes de l'énergie, que l'énergie prend, pardon, dans chacune des situations qui étaient présentées dans les images qu'il y avait dans le document numéro 2. Je vous rappelais en document numéro 1 quelques mots de vocabulaire en rapport avec les formes que pouvait prendre l'énergie. Donc, je vous indiquais qu'il fallait faire un tableau de 3 lignes. Alors, je vous propose un tableau de cette forme-là. Pour l'image 1, une ligne. Pour l'image 3, une deuxième ligne. Pour l'image 4, une troisième ligne. Donc, pour l'image numéro 1, c'est-à-dire celle qui est notée 2 ici, dans le document, vous voyez des enseignes lumineuses. Et on sait qu'une ancienne lumineuse, c'est fait de lampes, et les lampes récupère l'énergie électrique et la transforme en énergie lumineuse. Il y a aussi des objets en mouvement, donc des véhicules et des gens. Donc il y a aussi de l'énergie de mouvement. D'où les trois réponses. Dans l'image du centre, la numéro 3, nous voyons un train en mouvement. Donc il y a de l'énergie de mouvement. Ce train est un train électrique, donc il utilise de l'énergie électrique. D'où les deux formes de l'énergie. Image numéro 4. Nous voyons un joueur de tennis qui s'alimente. Dans ses aliments, il y a de l'énergie chimique. D'accord? Il est au repos entre deux sets, on imagine. Donc il est en train de se refroidir. Il y a donc aussi l'idée de l'énergie thermique. Question 2. Le joueur de tennis, celui-ci, convertit l'énergie chimique que contiennent ces éléments en énergie de mouvement et aussi en énergie thermique. Laquelle de ces deux formes de l'énergie lui est-il pour jouer au tennis? Évidemment, pour jouer au tennis, on n'a pas besoin de créer de la chaleur, mais de bouger. Donc c'est cette forme de l'énergie qui l'intéresse. Énergie de mouvement. L'énergie de mouvement est utile au joueur pour pratiquer son sport. Document 3. Recopier l'un des deux. Est-ce que c'était celui-là ou celui-là? Nous avons vu que les aliments apportent de l'énergie chimique aux muscles. Question 4. Recopier ce schéma-là et compléter. Donc énergie chimique qui est donnée aux muscles. Le muscle, il en fait quoi? Il va bouger. Énergie de mouvement qui en sort. Et quand il fonctionne, il chauffe. Donc, énergie thermique aussi dégagée. Pardon. Question 5. Réaliser un schéma de ce même type pour ce que fait le TGV. Donc, train électrique, il va recevoir de l'énergie électrique et il va convertir cette énergie en énergie de mouvement. Comme le moteur électrique n'est pas parfait, on peut imaginer qu'il chauffe aussi un peu, mais je ne l'ai pas noté ici, car il n'est pas très utile, évidemment, pour le mouvement. On voulait faire aussi un schéma de conversion pour les enseignes lumineuses. Donc, elles fonctionnent à l'électricité, elles récupèrent donc de l'énergie électrique. Elles vont transformer cette forme de l'énergie en lumière, d'où énergie lumineuse qui en sortent.